Sur un autre vertical qui prend numéro 1. Puis, devant la tribune du jury, on a le temps de reprendre parce qu'il faut être délicat à bord de cette palanque aux couleurs de Longines pour les arrivants, les assistants, par le cas certains sur les basiliers, quand on trouve sur Pascal qui recouvre les chiffres et depuis le premier jour regarde sauter les chevaux, regarde évoluer nos 20 jeunes talents. Ce sera ça le Grand Prix de Lausanne pour nos jeunes talents. Sachez que eh bien, c'est exactement pareil dans toutes les différentes étapes de ville. Il y a une épreuve dédiée à ces jeunes talents d'entre eux. Mais d'ailleurs, on va les voir ici, les allons vivre encore une fois. Troisième partie. On a eu ensemble un petit jeu de quelques mètres. On augmente tout le monde. On est sur un écart ici. Il y a deux autres mètres de l'équipe du 04 là-dessus. Qui sera remise. Attention, B, s'il vous plaît. Parce que c'est pas le chef. Et en tout cas, le 20, il est parti. Parce que je suis riche. Il commencer tranquillement. Et il y a un peu de place. Une fois. On débutera avec la Suisse, la France en Suisse, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Hollande, l'Allemagne. On va venir les. On nous rejoint tous les deux. Allez, tu peux le jour de l'heure, on aura une bande figure, on aura le 9. Enfin, de quoi encore une fois se faire plaisir sur en friche des jeunes talents longés. Deux premières étapes, vous imaginez, ce serait magnifique de gagner les deux premières étapes et le Grand Prix, pourquoi pas. Justement, il y a un petit peu de chalet, mais c'est une surface.
verticale de la capitale olympique et dans le mouvement international de victoire. Les équipes travaillaient dur du matin au soir. Et nous continuons du coup, espérant que ça n'est pas déconcentré. En général, il y a peut-être toute jeune dans le Belge qui est dans la ville. La voici dans ce Grand Prix de Lausanne. 72-47, pas de soucis, parcours parfait. Et Arthur Evott. Dieu sait qu'elle en a, elle l'a prouvé elle aussi jusqu'au championnat européen de relais. Et avec le dernier, le domaine de la Gracieuse qui est tombé aussi. Pour Laetitia Duconic avec 4 x 3, 12 sur la piste et 72 secondes, 96. Accueillir l'une des grandes aussi de l'équipe britannique, puisque tout simplement elle veut pas. L'équipe Samorin avec Jack Sewell, avec Billy Allen, avec Andrew Inglis. Et nous accueillons à Lausanne Emily Monfit sur le dos de Harry. Allez, on va voir si ça fait un peu.